Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy VII Remake. J'espère que vous allez bien. Nous allons, dans cet épisode, continuer notre aventure, évidemment, et surtout nous préparer à affronter le boss, ou du moins bientôt. Ouais, voyez, il est là. On va le mettre en morceaux en direct devant tout Midgar. Allez. Prépare-toi à t'en prendre plein la tronche. Alors, il est pas tout de suite là-haut, on non. On va rentrer à la Shinra quand c'est fait. Ouais, il arrive, il y est pas. Je pense qu'on doit monter jusqu'au rez-de-chaussée. Hop. Est-ce qu'on arrive à trouver? On prend l'ascenseur direct. Hein. On va avoir un comité d'accueil à l'arrivée. Ils peuvent nous balancer ce qu'ils veulent, on rentrera quand même chez nous. On y arrivera, c'est certain. On est 3 contre 8000. Marlène attend notre retour. Toi aussi, elle te parlera maintenant. Ouais. Ouais, si tu lui fais un sourire. Ok, bon, on essaiera alors. Si on paye bien. Toujours la thune avec Cloud. Tu pourrais faire un sourire quand même, pour Marlène. Mais bon, j'ai rien oublié, a priori. Pas rentrer là? Non. Bon. Bah alors, dépêche-toi d'ouvrir là. Mais ça ne marche pas. Il y a un verrouillage d'urgence. Évidemment. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? On peut ouvrir de la salle d'à côté. Bah encore faudrait-il pouvoir ouvrir la salle d'à côté. Ok. Ils font vraiment tout pour nous emmerder. Bah ouais, ça sert à rien là. Mais apparemment, il y a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas. Ah, on bah voilà. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés. Intéressant. La salle au trésor. Génial. Allons-y tout de suite. Tu me disais bien quand est-ce qu'on pourrait y aller à ça. Comment on fait pour ouvrir? Le mécanisme est très simple. Il suffit d'appuyer. Il faut actionner les leviers au même moment. Ah. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Ok, ok, ça tombe bien alors. Alors pour désactiver le verrouillage de sécurité, il est nécessaire d'actionner les 4 leviers de la console au même moment. A vous de déplacer le levier contrôlé par Barrett et Cloud avec L et R dans la direction indiquée par les moniteurs tout en suivant le signal que vous donne Tifa. Ah, un petit changement de gameplay. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, allez. C'est moi qui donne le signal. Non, c'est non, Tifa. C'est Tifa, on a dit. D'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt? Allez, 1, 2, 3. On va l'avoir fait. C'était très compliqué. Très très compliqué. Et voilà! Du premier coup. Bravo. Parfaite coordination. Mais fais-lui un câlin au moins. Bon, ouais, pas mal. Tu pourrais au moins montrer un peu plus d'enthousiasme, bon, Cloud. Si Atifa, tu lui as foutu un vent. Tu lui as foutu un vent. Ça se fait pas, Cloud. C'est là qu'on récupère nos trésors. Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas. C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre, alors? C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Ah. Ha, les doigts dans le nez. Ouais, essayons. Alors ça va être quoi? Ça va être d'abord à droite, puis ensuite à gauche, puis ensuite au milieu. J'ai failli m'étouffer. Le mode de sécurité maximum. Un petit coup de tout en coupant le micro, c'est mieux. Activez les leviers à mon signal. Ok, allez, on va y en avoir un en haut et un en bas, non? Tifa. Ça va, j'ai compris. Allez, Tifa, vas-y. D'abord, le premier niveau. Alors. C'est parti. 1, 2. Non, voilà, c'est ça. Hey, mais qu'est-ce que tu fous? Ah, mais j'ai pas vu les flèches. Je compte sur vous. J'ai pas vu les flèches. Niveau 1, ok, parfait. Mode de sécurité désactivé. J'ai pas vu qu'il y avait les flèches sur les écrans. Continuons comme ça. Let's go. On a quoi là cette fois? Niveau suivant. Les deux en haut. Un, ok. Deux. Niveau 2, parfait. Du mode de sécurité désactivé. Bravo! Vous avez pris le coup. Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, on est des pros. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. C'est pas non plus hyper complexe comme système de verrouillage. Hein. Faut juste être 3. On a fait la moitié. Ok. On fait encore un petit effort. Bas haut. 1, 2.
Niveau 3 du mode de sécurité désactivé. Bravo, bien joué. On forme une équipe du tonnerre. Je suppose que si on se foire aux 4, on est niqué. Faut qu'on refasse tout. C'est le dernier niveau. Cette fois, c'est l'inverse. Restons bien concentrés. Ouais, c'est très compliqué. Allez, 2. Eh ben parfait. Niveau 4 du mode de sécurité désactivé. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. Voilà. Papapapapin. Shinra sait vraiment comment faire chier son monde. J'aurais pas dit mieux. Plus vite que je le pensais. Vous avez fait du bon travail. C'est grâce à toi. T'étais facile à suivre. Ah ben voilà un petit compliment. Oui, je sais. Ça fait du bien. Pareil pour compter. Bon après c'est pas non plus très très complexe mais quand même. Ah, il y a un matériel là. De magie augmentée. Augmente la magie de 5%. Ok. Bon, pourquoi pas. Jusqu'à 25%. C'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Si, c'est quand même bien, mais... Ce sera à la place de quoi? De glace, que je n'utilise pas beaucoup. Après, des esquives offensives, j'arrive pas à la jouer, donc... Autant augmenter notre magie, hein. Allez, zou. On reste appuyé. La collecte des rebuts. C'est voilà. Comme tu l'avais dit, Cloud. Ça valait le coup de se faire chier au moins. On rafle tout et on se casse. Alors j'interagis. Une gigabombe. Un cœur d'IA. A priori il y a un autre cœur d'IA. Je crois qu'il y a un troisième cœur d'IA. Et un module M après. Bon, deux d'éther. C'est ça les modules M. Ok. On va peut-être faire un petit soin pour Tifa. Hop. Pas moyen de récupérer nos PM là. Bien avoir ça non. Il y a un CD a priori. Dans la machine. Ah bah voilà. Je peux acheter Bombing Mission. Des potions, des méga potions, moins chères. Que de phénix. Vas-y, je t'en prends une. J'en ai 11 dans l'inventaire, c'est ça? Ouais, en garder quelques-unes. J'ai pas de quoi te faire des flacons de sel, donc on va en prendre. Voilà, on va faire ça, hop. Quelques thunes, mais j'aime mieux les garder. Si je m'assois, je récupère mes PM, vous pensez? Vous avez récupéré tous vos PV et vos PM. Voilà, parfait. Juste avant le combat de boss. C'est quand même pas mal. On va sauvegarder. Une fois de plus, avant le combat de boss. C'est par où qu'on ouvre? C'est par là. Non, c'est là où je viens, je suis bête. Je m'éteins, moi. On peut retourner en bas si tu veux. Mais pourquoi faire, hein? J'ai pas besoin de retourner en bas. Mais non! Non! Chouin, je voulais pas retourner en bas. D'accord, on remonte. Non, ça va. Ne faites pas de commentaires, Barrette. Bah c'est pourquoi je peux pas ouvrir, là? Ah bah si, c'est bon. La porte ne s'est pas ouverte, c'est bon. Ah, voilà la sortie. Allez, c'est le combat de boss. C'est évidemment étrangement calme. Ne fais pas genre, c'est surprise. Carrément. Himself. Ancien soldat. Ah. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Bah non. Mais
beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. En tout cas, il a des très beaux yeux, Cloud. Donc, s'il faut se baigner dans la Mako pour les avoir, comme tu l'as dit, ceux de Tifa, ils sont beaux aussi. Hein. Quand ouais, mais t'as des lunettes, il voit pas tes yeux. Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Tu gaspillerais ta salive ainsi que mon temps. Bah, vous êtes pas très compatible. Oh, tu m'énerves. On pourrait en parler. Tiens, du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si bah ouais. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer, hein? Boum, on change de planète. Je ne veux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie, Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez ouais. jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si après, on arrive à ce point, il n'a pas tout à fait tort. C'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Un peu quand même, si. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Vous êtes maintenant de vils complices de nos ennemis du Wutai. Ça t'arrange bien après hein, d'extraire la planète. Bah oui, évidemment. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde. C'est gentil de mettre un timer. Salopard. En même temps, vous êtes un peu chez eux quand même, hein. Fallait pas déconner. Mais ça n'a aucun sens. Il était juste là, pourquoi tu le trimbales en hélicoptère? Non. Permettez-moi de refuser. En plus, c'est un gros méchant pas beau. Aïe. Cloud, il se parle lui-même. Nous aussi, on compte sur lui. Allez, boum! Ah, je peux pas. Aïe. On a 20 minutes. Je peux pas. Ah c'est voilà. Grosse décharge. Aïe, Cloud a pris cher. Esprit de camaraderie, donne une partie de CPV à un équipier. Ça va pas donner à Cloud. Ouais, j'ai pas compris, ça marche pas. Hein. Il se soigne en tirant. Aïe, les bombes là. Aïe. Prends cher là. Hein. Volonté de fer. Va faire sort. Soin. On va faire. Non, pas Tifa. Il a plus. On va essayer de faire ça. Paf. Sort. On va faire un soin sur Cloud. Hop. On va faire Tifa, compétence, on va faire une analyse. Sur l'aérodestructeur. Les sorts de magie de foudre font augmenter rapidement sa jauge de choc. Ok. Je compte sur toi. Donc on va attendre que Barrett sort foudre.
Extra foudre. Aïe. Ça l'a pas. Ça... Mais. Pourquoi il me. Barrette, il a plus de. Mais. J'en peux plus de ces tirs de merde là. Ta-da-da-da, ta-da-da. Ok. Aïe, on prend cher. Hein. On prend très cher. Compétence. Je compte sur toi. Ok, il est en choc. Il est en choc. Ah bah non, il était en choc. Merde. On n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Ça a piqué ça. Ouais, faut pas rester là. Ouais, fallait pas rester là. Oh non. Allez. Non, il va tirer là, non, non. Aïe. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Je sais pas, t'es dans la merde là, non. Aïe, sérieux, ça m'a touché. Quoi. Mais sérieusement. Je crois pas que Cloud. C'est pareil qu'il est beau comme ça. Ah mais c'est ses putains de bras, ok. Waouh. Mais saloperie de bras. Là il nous faut l'invocation. On a la transcendance. Bras gauche. Ok, il va nous falloir. Va nous falloir invocation là. Hein. Heureusement qu'en transcendance, je suis immortel. Parce que je serais mort 10 fois. Ifrit. Tabasque, s'il te plaît. Merci. En lui, il est bientôt mort. Aïe. Merde, objet. C'est. Que de phoenix. Barrette, du coup. Il est failli mort. Ok, parfait. On a buté le bras. Aïe. Je veux bien. Mais... Ok. Compétence d'invocation, on va faire ça. C'est Barrette Yellow. Paf. On va faire objet. Méga potion. Là t'es dans la merde, voilà. Est-ce que Sifa tu peux faire une compétence? Parfait, éruption de flamme, vas-y. Il est temps de lui péter la gueule quand même. Barrette aussi. Éruption de flamme. Allez vas-y Cloud. Oula, faut se barrer, faut se barrer. Ok, nice. J'ai été intelligent pour se barrer. Compétence d'invocation et option de flamme, vas-y. Allez, Ifrit, tape lui la gueule. Voilà, ça c'est bon. L'autre il continue de bavasser là. Ce spectacle est vraiment. À la prochaine. Ah. Midlife évidemment, ça c'est un peu dommage. Dommage qu'Ifrit il fait péter ça. Ouch. Horrible pont. Et comment je le tape? Ok, bah y'a que Barrette là. On va faire la volonté de fer.
La pauvre cave, il sert à rien. Alors, ils peuvent quand même peut-être faire sort de feu. Laisse-moi faire. Non. Extra glace peut-être. Il a déjà paralysé ce bêta. Ça sert à rien, compétence. Chakra. Je dois faire attention. Maintenant, on donne tout ce qu'on a. Allez go. Je vais le réduire en pièces. On peut le taper. Ça c'est bien. Aïe. Ah j'ai pas réussi à l'esquiver. C'est Cloud qui est en PLS là, ouais. Ta ta la 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 la. Pourquoi la musique est cool, évidemment. Mais on va plutôt faire toi. Ah t'as pas assez. Objet alors. Mais super potion, 700 PV, méga potion plutôt. Aïe. Mais aïe. Ouais, essaye un peu, hein. Ok, la foudre, ça c'est cool. Ça il prend cher. Sort. Foudre, évidemment. Ah, il prend cher. C'est bientôt la transcendance. On va faire feu. Non, on va faire soin plutôt. Je réalise que je suis loupé. Voilà. C'est Barrel qui a fait cher. Non, c'est bon. Non, je peux plus le toucher. Il sort. Voilà, on va extra feu. Allez. On va, les tirer dessus comme ça. Là, j'ai pas Ifrit malheureusement. Aïe. Sort, poudre, vas-y. À part ça, il y a Heidegger derrière ici. On va faire la transcendance, taillade croisée. Ok. Reste plus rien là. Je peux plus taper. Merde. Boum boum boum. Tu dis de la merde hein. Allez d'ailleurs tu dis vraiment de la merde. C'est Tifa qui est en PLS. On va faire sort, soin, on va essayer de soigner Tifa. Voilà par contre c'est pas bon du tout. Fais quoi comme transcendance, lui bon grenade. Vas-y. Pas dégueu. À faire sort, ne tape rien. Faire en sorte que ce soit toi qui le fasse du coup. J'ai plus de soin non plus. On barrette. Allez, on en pas un crevé hein. Allez Cloud. Allez Cloud. Voilà. Boum. Mais ça c'est fait. Cloud il est encore tout en bas. Ah oh non. La bombe va bientôt exploser. T'en fais pas pour moi. Aide Tifa. Let's go. Désolé. Je t'ai mal jugé. C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi. Enfin. T'inquiète. On va s'en sortir. Mais tire au moins. Barrette. Tu pourrais tirer. Ah ouais non mais là... Ah, le grappin! Ah bah évidemment que ça pète. Je me disais, ça pétait pas, ça... Par contre, ça a ralenti la chute. Ok, mais... Il se pète quand même 4 côtes s'il survient. La moitié, il est paraplégique. Cloud paraplégique. Cloud, j'ai vraiment dit Cloud. Merde, Cloud, pardon.
Ah, peut-être que c'est les fantômes de Sephiroth qui vont venir l'aider. Enfin, je dis ça comme si c'était les fantômes de Sephiroth, mais... Mais non. Enfin, j'en sais rien, en vrai. Tu n'as rien. Cloud, se parle à Cloud. Il n'a pas la même voix. Alors, tu peux bouger. Je vais essayer. Non, ça va, on aura dit que c'était... Allez. En tout cas, on est dans le... Vas-y. On est dans les nuages de Xenoblade Chronicles 3 là. Hein. Ne te presse pas. Je sais ce que j'ai à faire. Cloud. Parle à Cloud. En fait, qui me parle? Bah oui. Ah, c'est... c'est bien Sephiroth. Ton seul et unique maître. Sephiroth. Allez, Cloud. Il reste beaucoup à faire. C'est très intriguant, la relation qu'ils ont les deux, parce que les fleurs, des retrouvailles. Est-ce qu'on va retrouver la dame avec les fleurs? J'espère et que oui, tu n'as rien. Absolument. Bidonville du secteur 5. Église. Alors, t'es réveillé ? Il me semblait que Sephiroth, tu es... Iris. C'était le méchant. Et toi, tu m'as pas dit. Et là, ils ont l'air d'être presque ensemble. Comme... Bon, ils ont une relation on un peu perturbante. De quoi tu parles ? Enfin, particulière plutôt. Hein ? T'as pas oublié quand même ? Regarde, ces fleurs. Ah, la vendeuse de fleurs. On est où ? Dans l'église du secteur 5, au bidonville. Tu es tombé, tu as traversé le toit. Ça m'a surprise. Ah oui, effectivement. Tu peux remercier mes fleurs. Elles ont dû amortir ta chute. Hein? Tu es chanceux. Oh, j'ai écrasé tes fleurs. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'en faire. On dirait pas, mais elles sont résistantes. Et puis, il c'est... s'agit d'un endroit spécial. Les fleurs qui amortissent la chute, ouais. Au fait, Cloud, tiens, t'as perdu ça. Moi, elle connaît mon nom, par contre. J'en ai une, moi aussi. Les matérias sont pas vraiment des objets rares. C'est vrai, mais la mienne est particulière. En fait, elle ne sert absolument à rien. Ah, génial. C'est bien, ça. Aïe. Bah. C'est seulement que tu sais pas t'en servir. Ça doit être pour ça. Mais bon, c'est très bien au final. Je la porte surtout parce qu'elle me rassure. Et parce que c'est ma mère qui me l'a léguée. Il est intrigant ce personnage aussi. Puisqu'on s'est retrouvés comme ça, tu pourrais rester un petit peu ? Perturbant. C'est très très perturbant. Parce que... J'ai souvenir, moi, à l'époque où le jeu était sorti, et je pensais pas que ça aurait eu un impact, mais d'avoir lu que le remake ne reprenait pas entièrement le scénario de Final Fantasy VII, mais plus quelque chose de revisité. Alors je ne me rappelle absolument pas des détails de pourquoi revisiter. Mais que ça se séparait du scénario original de Final Fantasy VII pour finalement en créer une alternative. Donc, je ne sais pas si les flashbacks que l'on voit là, enfin, je suppose que c'est des flashbacks, mais que les visions plutôt, on va dire, qu'a Cloud ici, c'est est-ce que c'est du son passé qu'il a oublié ou c'est des visions d'un passé que lui n'a pas vécu. Ou par exemple, peut-être même le passé de Sephiroth, je ne sais pas. Parce qu'ils ont l'air connectés, la Cloud et Sephiroth, et j'ai pas l'impression que c'est le cas, normalement, si. Enfin, j'en sais rien, je ne connais rien de Final Fantasy, donc ça se trouve, je dis des ineptie, mais j'avais l'impression que moi, Sephiroth, c'était juste... Enfin, je vais pas dire le méchant, juste parce que c'est le méchant, mais j'ai cru comprendre... avec je sais plus comment il s'appelle, mais le jeu qui est sorti sur Switch il y a pas si longtemps que ça aussi,
mais qui reprend Cloud, Sephiroth et je sais plus qui, un autre membre de l'époque où les trois étaient soldats ensemble. Parce que là, on l'a vu dans le jeu, je crois que Sephiroth, c'était le soldat où Cloud voulait être comme lui. Donc, il y a une relation qui est intrigante. Voilà, un rapport des personnages dont bah, je ne connais rien, évidemment. Mais ça m'intrigue très fortement. Et j'ai très envie, j'ai très envie d'en apprendre plus. On va parler à madame. On n'a toujours pas ton nom, d'ailleurs. Génial. Ah bah voilà, Aerith. Génial, bon alors, bah on a eu son nom comme ça. Qui est Reno Jackson? Que viens-tu nous faire là? Toi là, t'es qui? Je pourrais te poser la même question. Attention, lui c'est mon garde du corps. Un soldat en plus. Ah. Un soldat? D'accord. Ancien soldat. Oui, précisons-le. Voyons ça. Il en a les yeux en tout cas. Ça oui. Garde du corps, c'est bien dans elle, a, elle, a, hein elle a les mêmes yeux que nous, non? Un peu plus vert quand même, mais... Même genre. Me trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord ? Tifa, t'as vraiment de la concurrence par d'accord, contre, hein. Et elles sont un peu plus engagées les autres. Je te propose un rendez-vous avec moi. Est-ce que c'est un paiement ? T'es un vrai soldat, alors. Vous voyez, très entreprenante. Première classe. Ah oui. Tu veux me faire croire que t'es première classe? Elle est bien bonne. Ah. Faut pas attaquer comme ça, Cloud. Mais Fleur, faut pas marcher dessus. T'as entendu? Bah d'accord. Ce sera pas long. Allez. Alors je m'attendais pas à ce qu'il y ait un... Je pensais pas qu'il y aurait un soldat supplémentaire, un soldat, non, un combat. Pourquoi tu te soignes, toi? T'as pas demandé de te soigner. Dans ce cas, c'est pas normal. Pourquoi tu dégages? Il y a un niveau de Monteria. Ah, il y a plus de cible. Il est parti, l'autre, c'est ça? Ah, il est là-haut. Je peux pas le cibler. Il y en a d'autres. Très bien. Mais non. Ils sont morts tous là. Mais t'es qui toi, Reno Jackson? Cloud, tu lui défonces la gueule là. C'est quoi ça? La nouvelle génération de soldats? Je peux pas te faire avoir par décolleté. Je peux pas te faire avoir par décolleté. Enfin. On va faire un petit sort. Est-ce que tu crains le feu? Aïe. Mais pas du tout. C'est toi qui fuis. J'aurais plutôt dit ça pour toi en vrai, mais. Merde! Bon, ça m'embêtait très sérieusement. J'ai esquivé! Aïe! C'est honteux. Ah, oh, il m'embête. Mais tu peux encore esquiver là? C'est quoi ça? Et c'est plus de l'esquive là. Ok, ok, oui. Commence à me soulever. Très fortement. Mais. Il est intouchable. Mais c'est quoi ça? Il esquive tout! Ah bah voilà, Amélie est enchaînée par contre. Okay. Bah voilà. Je peux plus buter, c'est une blague.
C'est plus le shoot. T'es plutôt tenace, toi. T'es plutôt relou, toi. Oh non, pas des grenades. Ah. Passer un moment électrique avec mon Dieu. Très chiant. Très relou. Il va se prendre une transcendance à la gueule, lui. On va taper ça. Hein. Ah mais... Il m'a vraiment esquivé ça, la gueule. Allez. Mais c'est toi où elle est passée ton arrogance là? Est-ce que vous pensez que si je le fais. Si je lui fais une transcendance, il prend cher? Ouais non. Il le prend hein. Aïe. Sort, je crois que je peux aller. Récupération, restaure les PV petit à petit, c'est pas mal ça. Allez Zou. Ben voilà. Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Bon. C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais. Ah. On se fait fantômer. Ouais, il a failli se faire défoncer la gueule, hein. Foutez-moi la paix. Allez plutôt à leur poursuite. T'as failli perdre ta tête. Par contre, les fantômes, ils nous emmerdent très très sérieusement. Ils nous ont protégés, c'est ça? Bon. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Hein. Je ne sais pas ce que les fantômes veulent. Mais. Nous allons nous arrêter là pour celui-ci. Ça fait pas mal de temps quand même, 37 minutes. En vrai, j'aurais bien continué, mais je ne sais pas jusqu'où ça va aller. On est bien dans un moment bien épique. Mais en même temps, on a un petit moment de répit. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un nouveau boss à la suite d'un autre, mais bon. C'est cool, ça enchaîne bien. Ça enchaîne bien. Je ne sais pas combien il y a de chapitres dans le jeu non plus. Mais plus que Xenoblade Chronicles 3, donc c'est déjà ça. Bon, après, les chapitres de Xenoblade Chronicles 3, ils changent pas toutes les heures. Hein. Mais... Bon. J'avais cru lire que c'était un peu plus d'une vingtaine d'heures, presque une trentaine d'heures de jeu. Donc si on a un chapitre par heure, il y a une trentaine de chapitres, probablement. Peut-être pas autant, mais... quelque chose dans le genre. De toute façon, il y a la suite qui arrive début d'année prochaine et donc probablement fin d'année prochaine, voire 2025 pour la suite, donc d'ici un an et demi, ce qui est quand même long, mais en même temps, ça va. On aura moins à attendre que ceux qui ont joué le jeu quand il est sorti en 2020. Ou 2021, je sais plus. 2021, je crois. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve, alors je ne sais pas vraiment quand, pour la suite, j'espère plus tard dans la semaine, je devrais pouvoir moi en tourner un demain, donc devrait y en avoir un quatrième, mais si jamais c'est pas le cas, bah, la semaine prochaine, voilà. Ciao ciao tout le monde, et à la prochaine.